suis directeur export dans la société Globe Explore. Notre métier, c'est de récolter les algues, puis de les transformer dans notre site de production, ici même à Rosporden. L'innovation est un petit peu une seconde nature pour Globe Explore. Alors d'une part, par l'originalité de nos recettes. D'une autre part, parce que les algues sont très riches en protéines, en oligo-éléments, en fibres et en vitamines. Et enfin, l'algue a très très peu d'impact sur l'environnement et ça c'est très important pour nous. Nous sommes également très innovants sur la transformation de nos produits. Alors, depuis 2004, nous avons créé ce petit bijou culinaire qui s'appelle les perles de saveur. Nous avons créé ce produit depuis l'explosion de la cuisine moléculaire et nous sommes très fiers du succès qu'a ce produit aux États-Unis. Je suis Paul Némé, fondateur et président de Némeco. Donc Némeco a été créé en 1995. C'est une idée très simple, c'est d'apporter au consommateur en dehors de chez lui des boissons 100% naturelles, c'est-à-dire sans sucre ajouté, sans collant, sans conservateur. Mais avec une nouvelle innovation aussi, c'est d'apporter le premier smoothie, toujours le cas, le ambiant. C'est-à-dire il permet une conservation ambiante grâce à un emballage effectivement qui est en carton, qui est hermétique à l'oxygène et à la lumière, ce qui fait que la préservation peut être longue. On est dans 35 pays, aussi bien au Japon, Hong Kong, Singapour, qu'à Dubaï, qu'en Europe et aux États-Unis effectivement depuis 2017, 2016, 2017. If I could pick one word to describe my relationship with French companies, I would say that it's a expanding business. For Americans have a lot of their heritage from Europe, so there's a lot of desire for French products and European products in general. The French are very well known for having top-line ingredients, top-line products, and it resonates with the Americans, and they trust that when they do buy their products. I think the European promotional programs are a very important aspect for the American stores in that we need to learn to promote these items better and teach people what these products are.